T'exagères. Bon, parce que... Tu le sais bien, il va quand même mieux. Toi, tu voudrais me faire mettre un peu mieux que ce que ça vaut. Non. Oh, mais c'est bien quand même dans les prix les plus bas. Oh. Les agriculteurs sont très durs ici, en commerce. L'éleveur essaie d'en tirer le plus possible, et puis ben, l'acheteur essaie de les acheter un tout petit peu moins s'il peut, et c'est comme ça que ça se négocie, quoi. Mais cette année, c'est très 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 dur. On a la sécheresse qui est terrible sur le secteur, et puis les cours sont très bas, quoi. Moi, ce que j'écris... Non, mais je sais pas combien ça fait en euros. Ça fait ça. Arrête de pleurer, tu veux mon mouchoir ? L'amitié est liée, je crois, et toi, tu tires la ficelle de ton côté. Là, c'est vraiment au plus bas. Si on a un gros volume, c'est pas la peine de se mêler. Certes, n'insiste pas. Non, mais je Mais tu n'auras pas mieux. Non. Je te casse le stylo. Même à Mauriac, les bonnes à 24. Ça gagne pas trop tout de suite, c'est un petit peu en baisse, quoi. On en voulait peut-être plus, mais il a fallu descendre quand même. Hein. Il faut en rabattre des fois. Hein. Isabelle me dit où je vends tout, où je vends rien. Elle dit je veux tout vendre. C'est vraiment pas possible. Non. Et c'est toujours les derniers centimes qui sont toujours difficiles, et pour le vendeur et pour l'acheteur aussi, bien sûr. Il faut qu'on baisse un peu, on demande toujours un peu plus. C'est de bonne guerre, et puis bon, c'est notre vie d'agriculteur. Il faut qu'on se défende, parce que ça vient tellement dur pour arriver à faire surface que bon... Non mais là, il faut que tu mettes un peu plus, Didier. Je comprends, hein. Mais des efforts, j'en ai fait déjà des efforts. Non, allez. Pas assez, allez, Didier.